Aujourd'hui, je vais tout vous apprendre sur la réparation des objets dans Ark. Salut tout le monde, ici Starabolt Puma 47. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous en apprendre davantage sur la réparation des objets, car c'est très utile et je veux pas que vous gaspilliez des matériaux pour absolument rien. Donc, premièrement, vous avez besoin d'un objet cassé, donc les lances par exemple ne marcheront pas parce que lorsqu'elles se cassent, elles disparaissent complètement. Mais si je casse par exemple une torche ici, non. Non, pas la torche. Ça marchera pas. Mais, je dois trouver un objet. Pardon. Par exemple, ici, pour un lance-pierre, j'ai besoin d'une peau, 20 fibres et 5 bois pour en fabriquer un. Genre, tout neuf. Mais, si vous en avez un cassé, et que vous voudriez le réparer, parce que, regardez, ça prend 3 bois, 10 fibres et une peau. Donc la moitié des matériaux. Si vous avez par exemple un fusil qui coûte super cher à faire, vous pourriez économiser une tonne de métal en réparant, car ça va prendre uniquement la moitié des matériaux nécessaires. Donc vous devez le prendre dans votre inventaire. Et donc quand vous avez les matériaux nécessaires, que je vais aller chercher. Donc voilà, lorsque nous avons tous les matériaux nécessaires, nous pouvons et que nous pouvons réparer l'objet. Sur Xbox, c'est Y. Sur PS4, c'est probablement la touche par en haut. Et sur PC, j'en ai aucune idée, j'ai pas vraiment fait de recherche. Donc voilà, on fait Y, ça le répare et nous économisons beaucoup de matériaux. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur mes aventures sur ce jeu. Je vous conseille de rejoindre mon serveur Discord, le lien sera en description. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous en avez appris davantage sur la réparation des objets et surtout favoriser cette compétence. Ça va beaucoup vous être utile et vous allez beaucoup moins gaspiller de matériaux. Donc ciao!